Eko banzaka, base kele nyon soye, suka ya bomo ina motwe, yango baku misakate, soki moto nana kupite, poto yebite, base kele nyon soye kobima, yango balo balo bakate, soki moto nana kupite, poto yebite, base kele nyon soye kobima. Oh, iwa, eye bimbongo te, eye biba pokwe te, eye biba balani te. Et zala qui n'a vraiment que très puissant sur la terre, a zala qui n'a moins n'a l'inga qui mingi, comme on a ezakire soleil, a l'inga qui était ce qui a koufi, qui parlait moins n'a oya ingi la n'a beaucoup n'a yé. Kolomoko balali pe balamuki Mwana we ya kufi Oliwa Yebise mabe Tokiliwa eva kipongwe Leva wapa kufakate Parishe bakufakate o Leva konji bakufakate Sokiliwa eva kipongwe La diaspora congolaise, nous sommes ici en Australie. Aujourd'hui, c'est la commémoration du centenaire. L'Australie est en train de commémorer la victoire ou la participation de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande durant la Première Guerre mondiale, qui a eu lieu en 14 à 18. Alors aujourd'hui, c'est une grande célébration. Là, je me trouve devant le sanctuaire qui a été érigé pour la circonstance. Alors, il y a des activités qui sont organisées. Il y a les autorités qui interviennent pour expliquer ce qui s'est passé exactement. Alors, nous, ici, nous profitons de cette occasion pour lancer un message. Et nous ici, nous sommes en train de rappeler que l'Australie est en train de commémorer les vaillants combattants qui ont combattu pour la libération ou alors participé pour la paix dans le monde pendant les opérations de la guerre de la Première Guerre mondiale de 14 à 18. Alors, quelle histoire pouvons-nous tirer de cette commémoration? L'Australie se souvient de ses héros, mais pendant que nous, en Afrique, nos héros sont pratiquement oubliés, délaissés et ignorés même. Alors, nous voulons lancer un appel aussi à nos dirigeants africains et à toute la diaspora que nous ne devons pas oublier les personnes qui ont combattu, les vaillants combattants de notre cher grand et beau pays. Nous avons des vaillants combattants qui sont tombés sur les champs de bataille. Nous devons avoir une pensée pieuse à ceux-là. Nous devons commémorer leurs efforts qu'ils ont faits. Et par la même occasion, nous devons aussi encourager ou féliciter les vaillants combattants qui sont répandus à travers le monde dans la diaspora. Il y en a qui sont en Europe, en Afrique, en Amérique et ici en Australie. Donc nous devons continuer à nous battre pour la liberté, pour la libération effective de notre pays. Donc nous lançons vraiment cet appel. Je profite aussi de l'occasion pour rappeler, nous sommes aujourd'hui le 24 avril 2015. Jour pour jour, il y a de cela plusieurs années, que dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y a eu ce fameux discours où le maréchal Mobutu a dit « Comprenez mon émotion » et il a pleuré puisqu'il a vu ce qui va se passer dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors,
au cours de cette commémoration, nous devons aussi lancer un appel à la paix. La paix en Afrique. Nous voyons ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud, où il y a la xénophobie, la chasse aux étrangers. Ce n'est pas quelque chose qui est à encourager. C'est quelque chose qui est vraiment à bannir. Alors, à notre niveau, nous ne faisons que demander la paix en Afrique, la paix partout à travers le monde. Nous profitons de cette occasion pour dire que nous, ici en Australie, nous sommes éprouvés. Nous venons de perdre nos bien-aimés. Et récemment, il y a eu un couple qui a perdu la vie dans un accident de circulation ici en Australie. Et au moment où nous vous parlons, il y a notre compatriote Chimanga qui est décédé. Alors, les obsèques sont en train de se préparer. Au courant de la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine du 26, il y aura le programme qui sera diffusé. Alors, nous allons appeler notre correspondant qui est sur place à Toowoomba, qui va nous donner la suite ou les péripéties de la situation qui prévaut actuellement à Toowoomba. Alors, nous appelons donc notre correspondant qui est à Toowoomba, Kamwanga. Si vous nous entendez, quelle est la situation actuelle? Qu'est-ce que nous pouvons dire à la communauté en ce qui concerne les préparatifs des funérailles de notre regretté père, frère qui nous a quittés si tôt? Nous écoutons donc notre correspondant Kamwanga depuis Toowoomba. Ok. Notre correspondant qui est à Toowoomba, Monsieur Kamwanga, est-ce que tu peux nous dire un peu comment se présente la situation là-bas concernant les obsèques de notre regretté papa Charles Chimanga Kayembe? Oui, nous sommes vraiment tous réunis, toute la communauté congolaise de Toowoomba, c'est de Brisbane, et nous attendons les autres qui viennent de différents États. Pour parler, finaliser l'enterrement. Ok, puisque vous parlez enterrement, alors quel est le temps prévu pour cet enterrement? Quand est-ce que ça interviendra, l'enterrement? Oui, pour le moment, nous avons décidé de faire ça le samedi. Oui, demain. Ok. Alors maintenant, comment se présente le programme de samedi? Il y aura un service à l'église et puis l'enterrement et puis un rafraîchissement ou comment? Oui. Le matin vers 10h, il y aura le service dans la cathédrale ici à Toowoomba. Que j'ignore un peu le nom, comme ça je vais vous communiquer le nom après. Après 10h, on sera à l'église. Vers 12h, 13h, le lever du corps vers le cimetière. Ok, donc après cela, il y aura un rafraîchissement après l'enterrement, bien sûr. Oui, effectivement, il y aura après l'enterrement, tout le monde va se rencontrer dans une salle et trouver. Je vais vous communiquer aussi l'endroit des salles après. C'est là où nous allons nous rencontrer, nous tous, pour faire le dernier adieu à notre papa. Ok. Maintenant, quel est le message que vous voulez adresser à la communauté congolaise? Ouais. C'est que je demande à toute la communauté congolaise d'être soudée, d'être ensemble. Pendant les pleurs comme ça, nous devons pleurer nous tous ensemble parce que nous sommes dans un pays étranger. Il faut qu'on s'aide mutuellement par les idées, financièrement et puis moralement. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Alors nous rappelons que vous êtes notre correspondant depuis Toowoomba, ici à Queensland, et vous venez de nous donner le programme des activités telles que ça va se dérouler là-bas à Toowoomba, et nous vous remercions. Eh bien, fidèles internautes, nous vous remercions pour votre attention. Et nous allons vous donner la suite du programme des obsèques dès que nous aurons les informations. Merci beaucoup et restez toujours branchés. Que Dieu vous bénisse.
Nous continuons la série de notre reportage. Donc, nous sommes ici en Australie, où l'Australie est en train de commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. L'Australie a intervenu pendant la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Et aujourd'hui, ça fait 100 ans. Et l'Australie est en train de commémorer la mémoire de ceux qui ont combattu pour la liberté, pour la libération de ce pays pendant la Première Guerre mondiale. Donc, nous sommes donc dans ces lieux. C'est un lieu historique ici à Brisbane. Et nous ne cesserons jamais de lancer aussi un appel à nos compatriotes congolais de pouvoir aussi nous souvenir de nos vaillants combattants qui sont tombés sur les champs de bataille pendant différentes opérations dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous citerons par exemple le général Maele. Nous citerons par exemple récemment Mbusa Mabe. Nous citerons également Mamadou Ndala et le général Bauma et bien tant d'autres. Et ceux qui ne sont pas connus, mais qui sont tombés sur les champs de bataille, nous devons donc avoir nous souvenir des efforts qu'ils ont fournis pour la libération de notre Congo, la République démocratique du Congo. Comme vous voyez derrière moi, il y a ce monument qui représente les vaillants combattants en tenue de combat. Cela veut dire que les combattants, les militaires sont déterminés pour la défense de la patrie. C'est un devoir qui est noble. Et en même temps, dans notre pays, on essaye de minimiser le métier des armes. Mes encouragements à nos vaillants combattants qui sont en train de lutter pour la paix, la libération de notre Congo. Et à travers le monde aussi, nous encourageons les combattants qui ne cessent de plaider pour la cause de notre pays, la République démocratique du Congo. Derrière moi ici, comme vous pouvez le voir, il y a un vaillant combattant qui est à ses côtés. Il y a son frère qui est blessé et il intervient. Cela montre que sur les champs de bataille, lorsqu'il y a un combattant qui tombe, les autres continuent avec la lutte. Donc voilà, c'est un monument qui est significatif. Donc nous pouvons dire que au combat, donc nous encourageons tous les combattants qui sont en train de défendre la cause du Congo, la cause de la République démocratique du Congo. Derrière moi ici, il y a une annotation, c'est-à-dire en mémoire des Queenslanders, les héros de Queensland qui sont tombés pendant la guerre en Afrique du Sud. Donc il y a eu les Australiens qui sont intervenus en Afrique du Sud de 1899 à 1902. Donc l'Australie a aussi une histoire commune avec l'Afrique. Lorsque nous parlons de l'intervention de l'Australie en Afrique du Sud en 1899 jusqu'en 1902, cela veut dire que l'Australie a aussi une histoire commune sur le plan de la défense. Eh bien, Bandekoba Bolingo Banaba Ekolo Congo, Awa Tozana Australie. Lelo Ezali le 24 avril, Lobi le 25. Awa na Australie, Tozali ko commémoré, Tope Bazali ko commémoré centenaire. Il y a Bitumba O et les Kaki na Molongo Mobimba, Tope la Première Guerre mondiale, O et Zalaki de 1914 à 1918, Australie et Tindaki Basoda, Bakene Kobundana Turquie, et Sikango Bengi Gallipoli, et Zali 100 ans, et le Zali Mokolo Oyo, Bazali ko commémoré, Topeko Kundola, Peko Kanisaba et Banso, Bakufaki na Bitumbawana.
Alors, bisopé awa banamboka to zali pe ko saisir opportunité oyo pona ko kanisa pe ba ya biso ba vaillant combattant oyo ba kufaka na bitumba ndenge na ekolo na biso Congo to ebi boni boni na bitumba ndenge nyonso eza kubunda mana ekolo na biso toza ko perdre to pe toza ko bungisa babundeli ya solo penza pe ya piko e mokolo mwalelo nazali ko kanisa milimo na bango nzambe ape misa bango na esika ya ya bopemi penza na ko kanisa mingi penza ba e ba marka ki histoire ya bitumba na kati na ekolo na biso e récemment to zalaki bongo na to te ko bungisa babundeli ya ya makasi na kotanga bongo le général Mobutu na kotanga bongo ba généraux ndenge na ndenge général Maele Lieko Bokungu tozali na général Bauma tozali na colonel Mamadou Ndala oyo autaki kubungisa molimo moyen na mikolo miuti koleka tozako kanisa bango pe tozali ko kanisa milimo na bango e biso pe awa na mboka Australie na mboka bapaya tobosani bino te tozali kobondela mpona mabele ya ekolo na biso awa tomoni na Australie bazali kokundola kokanisa baye wana base sacrifice mpona ekolo ezala na, na bonsomi e oya biso ezande likunia ezande motema mabe moto azali kobunda mpona ekolo boza koluka ndenge nini bokweisa ye tala awa bazali kokanisa baye wana babungisaki milimo na bango e par la même occasion nazali pe ko encourager ba combattants à travers le monde ba combattants ba bazana na Afrique na tali ba ndeko bazana na Afrique du Sud na tali ba combattants oyo bazali na Europe ba o bazali na États-Unis ba o bazali disons en Amérique en général na Canada ba o bazana à Londres biso atozali na Australie donc naza ko encourager ba combattants to se soutenir to za la soudé na bazi bomoni ba image to pe ba monument ezali awa. Les combattants doivent être unis. Et ce n'est pas tout simbana. Moninga soki akoyi, moninga zui likama to pe azui lisasi, to ba ndenge nini ya kosunga ye. Et si kate to banda kosala ba polémique moko ezangatina, ça n'aboutit à rien. La communauté congolaise de l'Australie est éprouvée et particulièrement ici à Queensland. Nous venons de perdre notre frère, notre père Charles Chimanga, qui est décédé le 17 avril. Les obsèques auront lieu la semaine prochaine. Dans un bref délai, nous allons appeler notre correspondant qui est sur place à Toumba. Il va nous donner de plus amples précisions. Donc, l'enterrement pourra intervenir au courant de la semaine prochaine. Alors, tozana ndeko na biso azana Toumba, monsieur Kamwanga, apesa biso programme na lokota na biso ya Lingala ndenge nini milulu ekolengelama pona bokundami ya papa Charles Chimanga Kayembe. Kamwanga depuis Toumba, pesa biso programme pona enterrement ya papa Charles Oyotikoti ka biso na mikolomie. Ya solo ndeko Alpha tosangani ya biso Banso bandeko ya communauté congolaise ya Toumba na ya Brisbane tozali awa biso nyonso totie makanisi pe mayele na biso ensemble tomona ndenge nini ya kokunda papa Charles Chimanga oyo atikaki biso depuis le 17 avril. Alors brièvement programme eza ndenge nini? Ok, to sololi na ba bandeko misusu ke enterrement et que ça la ma samedi à le 2 mai ma Toumba awa mais programme ezali que à partir ya 10h toko corre ko sala na église ezana na cathédrale ou na bosani kombo na ko communiquer kombo wana si masoki na zui yango boye après messe et ko banda de 10h juste puis 12h à 13h. Comme ça, à partir de Yawana, vous allez lever du corps, destination et cimetière, pour l'enterrement.
Ok, alors maintenant, message nini qui coupe ça dans la communauté congolaise. En tout cas, je vous dis que moi, je suis Congo, je suis Sika Zali. Je suis le Congo, moko suis le Congolais, je suis tous sangana, tous à la liboke, tous simbana, loboko na loboko pona tokoka, kolonga oyo, tous à l'éco senga, soutien à bino, moral, physique, financièrement, pona likambo oyo comme l'émission. Ok, merci beaucoup. Alors, toko koutana soukouna na tumba pona enterrement, ndenge programme et salemi. Merci beaucoup. Ya solo, boya et belé, boya et belé. Tout ce papa n'a vu son dernier demeure n'a eu honneur. Merci. Ok, merci beaucoup. Soyons toujours unis. Awa en Australie, tous en abomoko. Yahweh. Lo samba